Morgen, allez, Iden les sucera aujourd'hui, les Lunishmat Richard Aaron Ben Fortune Mazal, Claude Israël Ben Fortune Mazal, Eden Myriam Bat Elisa Sayak. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Misha, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Souka, Perek Bet Mishnahei. Maase ve Eviulo, les Rabban Yohanan Ben Zakaïlit, Om et Atavshil. Ou les Rabban Gamliel, Shtei Kotavot, ou Dli Shelmaim. Bamrou, Ha'alum la Souka. וכשנתנו לו לרבי צדוק אוכל פחות מכביצה, נטה לו במפה, ואכלו חוץ לסוכה, ולא ברך אחריו. On avait vu dans la fin de la Mishnah précédente que si que l'on peut, le devoir de manger de la soukha, il va s'imposer, et une mitzvah c'est tout le temps même quand on ne mange pas. On n'est pas obligé. On peut même s'asseoir des fois sur son fauteuil, si on veut lire. C'est dommage, tu feras une mise à le faire dans la souka, mais tu n'es pas obligé d'entendre la souka. Par contre, lorsque tu viens te fixer pour manger ou pour dormir, tu es obligé de dormir dans la souka. C'est par là qu'on exprime le fait de vivre à la maison. Et là, notre Torah m'a dit, lorsque tu vas vivre à souka, tu vives dans la souka. Donc quand tu manges, quand tu dors, tu es obligé d'entendre dans la souka pour le faire. On parle de manger de manière fixe. Par contre, dormir, même dormir un petit quart d'heure sur un fauteuil, ou même en position assise, c'est aussi défendu en dehors de la soukha, même ça tu dois le faire dans la soukha. Ça, maintenant, la Mishnah présente, elle m'apprenait qu'on a le droit de manière provisoire de manger et boire en dehors de la soukha. Ouais, ça veut dire quoi de manière provisoire, de manière légère, c'est un petit encas. Ça signifie que c'est pas une quantité importante, ça signifie que c'est pas une qualité importante. C'est-à-dire, ça peut être soit tu vas manger des fruits autant que tu veux, des légumes autant que tu veux, si tu veux manger des céréales qui ont été cuites, les onotumotsi, alors dans ce cas-là, tu devras manger une petite quantité. Pour le pain, moins de 60 grammes. Et pour les pâtes et couscous et autres céréales, moins de 160 grammes, il y en a qui disent 220 grammes. Mais en tout cas, donc si tu veux manger 150 grammes de couscous, tu pourras manger en dehors de la soukha, selon la halakha stricte. D'accord? Maintenant, la Mishnah. Donc, on distingue ce qui est consommation importante et consommation provisoire, un petit encas, à la derrière, comme on dit en hébreu. Maase ve'eviulo le Rabban Yohanan ben Zakkai. Il y a eu une histoire où on a apporté à Rabbi Yohanan ben Zakkai lit'om et tatavshin, lui faire goûter un petit peu du plat. On avait préparé ce que vous voulez, ça peut même être du couscous, mais en tout cas une petite quantité, juste histoire de goûter un petit peu. Ouais? Et encore, une autre histoire avec le Rabban Gamliel, j'étais quant à vote. Le Rabban Gamliel, on avait amené deux dates, ou Dli Shelmaïm, deux dates, et un Dli Shelmaïm, un seau d'eau. On lui a apporté un grand verre d'eau, une carafe d'eau. Et on lui a apporté, ils n'étaient pas dans la soukha. Et quelle était leur réplique? Vamrou ha'aloum la soukha. Ils les ont dit, faites-les entrer dans la soukha. On a déjà expliqué que dans la soukha, on utilise toujours le terme de monter dans la soukha, parce qu'à l'époque, la soukha était construite sur le toit, donc. C'est entre l'expression de on monte dans la soukha. En tout cas, lorsqu'on a apporté ces éléments provisoires, ils ont dit faites-les monter dans la soukha. Donc, apparemment, c'est une histoire qui a raconté que même pour une consommation provisoire, on est obligé d'entrer dans la soukha. La Gemara explique non, on n'est pas obligé d'entrer. Mais celui qui voudra malgré tout entrer dans la soukha pour manger même ses petites consommations accomplira une grande mitzvah. C'est ce que le Shlomo a dit. Même celui qui veille même à manger de manière provisoire, ne pas manger en dehors de la soukha, a résé Meshubach. C'est quelqu'un de très louable sur ses bonnes actions, d'accord? Deuxième cas de figure, par contre, c'est un autre Tana qui a eu une réaction complètement à l'envers. Donc, chez Natnolo, le Rabbi Tzadok, et lorsqu'on a donné à Rabbi Tzadok, qui était lui-même un Kohen, Ochel Pachot Mikabeitza, de la nourriture, en fait, c'était du pain, moins de 1 Kabeitza, ou même des fruits, c'est pas vrai. Ça peut être, je vais expliquer pourquoi. En tout cas, on a donné une quantité inférieure à 1 kabeitza. Il a une réaction très spéciale pour la manière de le consommer. On va prendre 3 alachot. Netal Obamapa, il l'a pris, il l'a saisi avec un foulard, ou avec une serviette. Ve'achalo chutz la soukha, il l'a mangé en dehors de la soukha. Ve'loberechacharav, il n'a pas fait de bracha après elle. Je vous explique directement le cas. C'est qu'en fait, il était Kohen lui-même. On lui a apporté, par exemple, des raisins. De trauma. On lui a porté à manger moins de 1 kabeitza, une petite quantité, moins d'un volume d'un kabeitza, moins de 56 cm cubes en fait, c'est pas 56 grammes, 56 grammes d'eau, ça fait 56 cm cubes. On lui a apporté donc
3 grains de raisin, 4 grains de raisin, dans le même, apparemment, le même principe que Rabban Gamliel, Rabbi Yochanan ben Zakkai, que sur moins que ça, sur la, ça d'une petite quantité, ils ont dû le faire entrer dans la souka. Lui, il a dit non, non, donnez-moi. Il les a mangés tout de suite maintenant. Il avait un problème. Rabbi Tzadok, c'était un Kohen. Donc il va manger la trauma. La trauma, il faut faire Nezilat Hadayim, même pas que lorsqu'on mange du pain, comme ce qu'on fait nous aujourd'hui, mais même pour tous les fruits qui étaient trauma, obligation de se faire Nezilat Hadayim avant de les consommer. Ce qu'on fait nous dans le pain, c'est en rapport avec cette Xéra, c'est qu'on fait un décret de se laver les mains, en rapport avec les Kohanim qui mangeaient la trauma pour tous les fruits qui mangeaient de se laver les mains. Donc Rabbi Tzadok, lui, on l'a porté des fruits avec une quantité petite de moins qu'un Kabeïtza. Et ce qu'il a fait Rabbi Tzadok, au lieu de partir faire un Nezilat Hadayim, il les a juste saisis avec un foulard, parce qu'il pense que on peut contourner le problème de la Nezilat Hadayim pour moins qu'un Kabeïtza. Contourner le problème en le saisissant avec un foulard. Puisque ma main n'entre pas en contact avec lui. L'histoire de faire un Nezilat Hadayim, c'est lié aux lois d'impureté. C'est Nezilat Hadayim, on ne va pas allonger dessus. En tout cas, c'est en rapport avec le fait qu'on véhicule une impureté, si on a au moins l'aliment qui est mouillé. Et pour ne pas véhiculer l'impureté, lui, alors Rabbi Tzadok, au lieu de partir en Nezilat, il est saisi pour moins qu'un Gabeïtza, ça suffit que je le saisisse avec un foulard. Et ensuite, Vachalochos la Souka, il a mangé en dehors de la Souka, donc lui, il n'était pas marqué en dehors de la Souka. Et même mieux que ça, Velobirech Acharav, il n'a pas fait de Bracha après lui. Il pense, Rabbi Tzadok, que. Moins qu'un kabeïtza, si tu n'as pas mangé une quantité qui rassasie, tu n'as pas d'obligation de faire un birkat Amazon si c'était du pain. Pour la halakha, nous, on retient que à partir d'un kazaït que tu as mangé, tu as l'obligation de faire un birkat Amazon. Mais en tout cas, donc, dans le Bessadok, on a pris donc 3 halakhot. Pas d'obligation d'entrer de manger dans la souka. Moins qu'un bec kabeïtza, tu n'es pas obligé de te soucier de faire un Nezilat Hadayim, tu peux le saisir avec une petite serviette. Et même mieux que ça, selon lui, tu n'as pas d'obligation de faire une bracha après consommation. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.